Madame, prenez garde. Garde à quoi? À qui? À vous, peut-être? Ne dramatisons rien. Ces sentiments n'ont jamais inspiré ma conduite. Il n'y a rien dans mon passé dont je puisse rougir. Je me demande ce que vous avez dans les veines aujourd'hui, vous autres jeunes prêtres. De mon temps, on formait des hommes d'église, des chefs de paroisse, des maîtres, quoi. Maintenant, les séminaires nous envoient des enfants de cœur. De petits va-nu-pieds qui s'imaginent travailler plus que personne parce qu'ils ne viennent à bout de rien. Mais enfin, qu'ai-je fait de mal? Que me reproche-t-on? D'être ce que vous êtes. Il n'a pas dormi d'astla, que voulez-vous, mon enfant? Les gens ne haïssent pas votre simplicité, ils sont des paroles. Je ne suis pas de ces types qui n'ont que le mot de justice à la bouche. Et d'abord, je ne l'exige pas pour moi. Et à qui voulez-vous que je la demande, puisque je ne crois pas en Dieu? Êtes-vous marié? C'est moi qui n'ai pas voulu. Pourquoi? À cause de ce qu'il est. Au Sana, j'espérais toujours qu'il irait mieux, qu'il guérirait. Alors au cas où il aurait voulu un jour reprendre, ce lui serait pas une cause d'ennui que je me disais. Vous êtes la cause involontaire, du moins inconsciente, d'un grand malheur. J'entends que la conversation que vous venez d'avoir avec ma fille soit la dernière. Comment ai-je été la cause d'un malheur? Mon oncle a dû vous éclairer là-dessus. Il vous suffit de savoir que je n'approuve pas vos imprudences. Mon garçon n'en sait pas si long que vous. Il croit Dieu solidaire d'une espèce de justice qu'il méprise parce que c'est une justice sans honneur. Mais leur loi a du moins le mérite de coûter cher. Très cher. Elle ressemble à la pierre du sacrifice. Rien qu'un caillou, à peine plus gros qu'un autre caillou.